Dans cette édition, on revient maintenant sur cette visite ministérielle hier dans la métropole illoise avec la venue de Georges Pau-Langevin. La ministre déléguée à la réussite éducative s'est rendue à l'école élémentaire Samin Trulin de l'Île-Sud, car ici l'école dispose d'une CLIS, une classe d'inclusion scolaire, qui permet en fait à des élèves en situation de handicap de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire classique dans une classe ordinaire. La ministre a donc visité cette CLIS, puis s'est entretenue avec les élèves quant à leur regard sur le handicap. Aujourd'hui en France, plus de 220 000 élèves handicapés sont pris en charge en milieu scolaire ordinaire et 1500 accompagnants de vie scolaire, les AVS, doivent être recrutés cette année pour parfaire ce dispositif. Explication complémentaire avec la ministre Georges Pau-Langevin, hier à Lille au micro de Macha Grunessen. Lorsque Ségolène Royal en 99 avait pensé qu'on allait pouvoir scolariser des enfants porteurs de handicap en classe normale, cela semblait une idée étrange. Et en même temps, on s'aperçoit qu'au fil des années, petit à petit, les choses ont progressé et que cette loi de 2005, qui pouvait sembler aussi un défi, finalement progresse. Ici, dans l'Académie de Lille, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici aujourd'hui, qui est la journée mondiale pour le handicap, eh bien ici, on a un nombre d'enfants porteurs de handicap scolarisés qui est important.